al-haq, le vrai, dont l'existence est la seule véritable. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux et qu'Allah, c'est lui le haut, le grand. Comme toute chose, le temps et l'espace, la vie et la mort sont des concepts créés. Un monde matériel est apparu à une époque où il n'y avait ni temps ni espace. Ces concepts de temps et d'espace ont évolué au cours des siècles avec notre monde. Si nous devions remonter le temps, nous nous heurterions à cette barrière infranchissable que constituent l'espace et le temps. L'élément le plus ancien qui sert de repère temporel est la création de l'univers. En fait, le temps limite identifié aujourd'hui par le monde scientifique est 10 puissance moins 43 secondes après la création de l'univers. Avant cette période, ni l'espace ni le temps ne peuvent être situés temporellement. À ce stade de réflexion, nous nous trouvons donc face à une dimension intemporelle dépourvue d'espace. Comme les concepts de temps et d'espace par lesquels l'homme est limité sont créés à un moment défini, alors, avant cette création, il n'y avait ni temps ni espace. Allah a créé ces concepts bien au-delà de notre entendement, bien qu'ils ne soient liés ni par l'un ni par l'autre. Il est au-delà du temps et de l'espace, raison pour laquelle il existe dans l'infini. Il est la seule véritable existence. À l'exception de son être, tout dans l'univers a été créé par sa volonté.